Tes crédits FIFA 19 sont bientôt disponibles sur IG Vote et en attendant, on organise un concours pour te faire gagner 10 FIFA 19. Tous les liens sont dans la description. Et si tu veux des jeux pas chers, va sur key.igvote. Tous les liens sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va impeccable. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un double upload. Alors pour commencer, je vais vous montrer les SBC hybrides pays hybrides ligue. Alors pourquoi aussi tôt? Tout simplement les gars, parce que ça vaut vraiment le coup. Alors parce que déjà, les joueurs sont pas chers pour faire les défis. Je vous mettrai les prix, j'ai tout calculé, j'ai tout fait ça hier soir de mon côté. Et j'ai fait en sorte de faire ça d'ailleurs le moins cher possible pour vous arranger. Autre point positif, c'est que les joueurs sur le marché, si tu packs du lourd avec, avec les packs que tu vas obtenir, ils sont en ce moment très chers. Et le conseil ultime que je vais vous donner, c'est de faire les SBC maintenant et de garder les packs lorsque les OTW sortiront. Moi, je vais les ouvrir maintenant parce que moi, on s'en fout. Hein. Moi, je veux juste vous montrer. Mais vous, de votre côté, je vous conseillerais de garder les packs quand les OTW sortiront de plus. eSport a mis des cartes Ligue des Champions dans les concepts, donc peut-être qu'ils seront dispo dans les packs. Je n'en sais rien. Bref, on est parti pour le hybride pays. Donc, concernant le hybride pays, nous avons 4 défis. Donc, le défi 4, le défi 6, le défi 8 et le défi fierté nationale. On va commencer directement par le défi 4 et il est d'une simplicité déconcertante. Comme vous voyez, j'ai déjà fait l'équipe. Tu peux mettre en fait des joueurs bronze et or. Il faut juste que tu aies 75 de note générale. 4 joueurs rares, nationalité 4, joueurs d'un même pays 3. Donc du coup, je suis parti sur les deux Suisses que tu vois en bas, le gardien et le défenseur droit. Je les ai payés 200 crédits pièces. Les 3 Australiens, pareil, je les ai payés 300 crédits pièces. Et concernant les 2 autres nations, j'ai pris 3 Allemands, 3 Italiens. Voilà, dans leurs championnats respectifs, je les ai payés 500 crédits. Donc en tout, tu en auras pour 4000 crédits. Et tu vas récupérer un pack Premium Or. Donc ça commence doucement. C'est pas un pack de ouf. Hein. C'est un pack joueur, il me semble. Non ouais, c'est un pack joueur Premium Or. C'est un pack à 25K. Voilà, je crois que c'était un pack à 7005. En gros, pour 4000 crédits, tu vas ouvrir un pack à 25000, donc ça vaut le coup. Ensuite, on va enchaîner avec les 6. Ben, c'est un petit peu le même principe, sauf que cette fois-ci, il faut 6 nationalités. Donc là, dans l'idée, il faut que tu prennes un championnat pour tes 11 joueurs et que tu mettes à chaque fois 2 joueurs d'une nation différente. Donc, je ne sais pas si tu as capté. En gros, moi, je suis parti sur de la Ligue polonaise. Donc, n'hésitez pas, les gars, hein, comme je le dis souvent quand je fais des vidéos SBC, à aller sur Footbin et à regarder le prix des joueurs. C'est hyper important parce que peut-être que quand je vous mettrai la vidéo en ligne, certains joueurs ont augmenté, mais vous inquiétez pas, il y a des alternatives dans chaque championnat. Donc, je suis parti du coup sur de la D1 polonaise avec 2 Espagnols, on a 2 Croates, on a 2 Polonais, on a 2 Brésiliens et je crois que c'est à peu près bon. Après, derrière, je suis parti sur... s'il y a 2 Slovènes, je crois, hein. C'est quel pays ça? Ouais, c'est Slovène. Donc au pire, les gars, je vous mettrai le lien de Footbin dans la description. Moi, c'est vraiment les équipes que j'ai créées. Si j'ai le temps, je vous mettrai carrément les équipes sur Footbin. Comme ça, vous aurez juste à cliquer sur le lien et vous pourrez voir en détail les joueurs. Parce que là, si je te les énonce, on va mettre 15 ans. Du coup, on est bon. Et ensuite, il en faut 8. Nation 8, joueur d'un même pays 2, qualité or, joueur rare 5. Donc comme tu peux le voir, je suis parti sur de la Belgique, sur de la D1 belge. Il y en a beaucoup qui sont partis, par exemple, sur une Ligue 1, sur une Bundes, parce que tu as beaucoup d'étrangers qui jouent dans ces championnats. Moi, j'ai tenté le pari de partir sur de la D1 belge parce qu'il y a beaucoup de joueurs hors cette année qui sont de nations différentes. Et comme tu peux le voir, effectivement, il y a de la Croatie, il y a du Pays-Bas, il y a de l'Ukraine, il y a également du Maroc, du Brésil, de la Bosnie. Du coup, on était bon concernant le défi et ça va coûter rien du tout. Pour vous dire, 7000 crédits, même pas. On enchaîne bien et là, on va obtenir un pack joueur hors prime. Pack à 45K, les gars, qui m'a coûté 7000 crédits. Il faut avoir du lourd maintenant. Hein. C'est pour ça que je vous conseille de garder ces packs pour les OTW. Enfin, pour finir, celui-là, c'est un des plus simples, mais c'est un des plus chers. Je dis qu'il est simple parce que là, en fait, tu prends juste un championnat et tu balances en fait, plein de nations. Voilà, tout simplement. Donc là, moi, je suis parti sur de la Liga. J'ai balancé du Marocain, du Uruguayen, du Turc, du Mexicain, du Macédonien, de l'Algérien, etc., Togolais. Enfin bref, tu sais reconnaître à peu près les drapeaux. Donc là, tu peux mettre juste 2 joueurs avec le même pays parce que c'est 10 nations. Voilà, c'est pas 11. En l'occurrence, moi, je suis parti sur 2 Espagnols. On va soumettre. Il m'a coûté 11000 crédits.
Donc bon, ça peut aller, tu vois, c'est pas non plus la folie. On obtient un pack à 55 000 pour avoir tout rempli. Et on va du coup enchaîner avec le Hybrid League, qui selon moi est un petit peu plus complexe, mais en termes de crédit, c'est vraiment beaucoup plus abordable. On va commencer directement par 5 rares. Et 5 rares, c'est le premier que j'ai fait. Je suis parti sur celui-là en premier. C'est celui sur lequel j'ai mis le plus de temps, mais en contrepartie, c'est celui sur lequel j'ai dépensé le moins de crédit. Donc en gros, j'en ai eu pour 3 300 crédits. Chaque joueur m'a coûté 200 crédits, à part le putain de joueur or que j'étais quasi obligé de mettre. Et encore, je suis sûr que tu peux ruser. Il te faut 68, 2 général, 5 joueurs rares, joueurs d'un même championnat 3 et championnat exactement 5. Donc en gros, je suis parti sur du chilien, sur de l'allemand, sur du danois et sur de l'argentin. Tu checkeras dans la description, je vais te faire les petites équipes que tu pourras du coup regarder. Ensuite, 7 suspects, donc même principe, sauf que là, il te faut 7 championnats avec 3 joueurs max d'un même championnat. Donc voilà, je suis parti sur des Espagnols. J'ai pris des Espagnols de Bundesliga, j'ai pris des Espagnols de deuxième division anglaise, de Liga forcément. J'ai pris de la première ligue également, Recce qu'on retrouve qui joue en Ligue 1. Et puis voilà, on est à peu près bon, on va pouvoir soumettre. Je vais un petit peu accélérer le truc, les gars, parce que là, c'est clairement un petit peu du blabla. Vous aurez les équipes, hein, vous inquiétez pas, je vais vous les faire. Ensuite, 9 Prime. Donc là, ça commençait à se compliquer un petit peu. Pareil, à l'instar de tout à l'heure où j'ai pris des Belges pour les nations, là, j'ai décidé de prendre des Serbes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Serbes en or également. Et surtout, ils sont pas chers du tout. Donc comme tu peux le voir, voilà, c'est un 11 serbe avec des championnats différents. Voilà, 9 championnats, on a de la D1 chinoise, on a de la Serie A, on a du championnat portugais, de la MLS, et tout ça pour une bouchée de pain, pour être exact, 8 000 crédits. Ça va te permettre d'obtenir un pack joueur or prime. Un pack à 45K, les gars, je vous dis, faites-le maintenant, je vous dis, tu m'écoutes, certes, c'est long, c'est du blabla, mais si je fais cette vidéo maintenant, c'est pour que tu le fasses maintenant. Au pire, tu gardes tes packs et crois-moi que tu vas vraiment te faire plaisir en espérant que tu sois chanceux. De toute façon, nous, on va voir, on va les ouvrir après. Pour terminer, cette salve de SBC, nous avons celui-là, c'est But Équipe, qui m'a coûté 12 000 crédits, donc là, il te faut 11 championnats. Donc en gros, 11 championnats, une nation, si tu veux avoir le collectif. Tu peux peut-être faire 10 nations, mais bref, moi je me suis pas fait chier, j'ai pris des Portugais. C'était pas trop cher. Et du coup, tu as 11 championnats. Tu as de la D1 portugaise, tu as de la D2 anglaise, tu as également de la Ligue 1, de la D1 portugaise, de la Liga, de la D1 grecque, de la D1 de la Bundesliga, enfin bref, tu m'as compris. On va soumettre. Les gars, on a quand même pas mal de packs à s'ouvrir et on va les ouvrir directement. Bon, mais concernant les packs, on a le choix. Et franchement, j'espère vraiment qu'on va taper du lourd. Comme je vous disais, gardez-les pour les OTW. Les prix auront augmenté parce que le jeu sera sorti officiellement et parce qu'il y aura plein d'autres cartes, voilà, tout simplement. Et tu multiplieras du coup tes chances d'avoir du lourd. Bon, on va commencer tranquillement par celui-là. Voilà, je vais vous faire un best-of des meilleurs packs. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir dans le premier? C'est un pack à 7 500. C'est de l'anglais, buteur, ça va être Vardy, bah voilà. C'est parfait les gars, ça vaut déjà des crédits. Pour ce premier pack, on est gâté. Bon, effectivement, Vardy, c'est quand même 30 000 crédits. Donc on commence plutôt pas mal les gars, et en plus c'est un pack de merde. C'est un pack jumbo, or il me semble pour celui-là, et ça va être bravo. Bon, on redescend, mais bon, quoi qu'il arrive, on se fait déjà des crédits, hein, parce que bon, Vardy c'est quand même une petite somme. On a surtout ouvert les petits packs là, hein, c'est vraiment pas terrible pour l'instant. Bon, on a des panneaux, c'est les premiers. Français, DC, ça va être Laporte. On a Dembouz également. Bon, les gars, c'est bien. C'est très très bien. On va juste comparer vite fait. Ça, c'est 5 000 crédits. Et Dembouz, c'est du 10 000 crédits. Donc, ouais, on est pas mal. On est pas mal. On a déjà récupéré des crédits. Allez, panneaux encore. Allez, on veut un truc bien. Français, MC. Ça va être Rabiot, je pense que ça part un peu. Encore des panneaux. Pack méga rare cette fois-ci. Allemand, DD, ça va être Joshua Kimmich. Voyez les gars, c'est pas mal. Mais je vous dis, attendez, faites pas comme moi. Moi, c'est juste pour vous montrer, histoire de paquet. Moi, je m'en fous, je passe après. Mais vous, si vous êtes vraiment dans l'obligation d'un petit peu faire des économies, attendez les OTW. Vous voyez déjà, on a Kimpembe, on a Kimmich qui doit quand même bien partir avec sa note générale. Allez, dernier pack, les gars. Ben, vous voyez, on a quand même eu des choses intéressantes. Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. J'espère que pour vous, ça se passera peut-être un petit peu mieux et que vous aurez des cartes spéciales surtout.
On est sur le dernier pack, on veut au moins les panneaux, ça serait pas mal, voilà, bon c'est bien, et c'est un boost. Brésilien, y a qui, je sais même pas. Ah, c'est Sydney, ouais, on l'avait packé hors vidéo. C'est un des pires, mais bon, c'est toujours 10K de prix, et peut-être que derrière, on a un gros joueur, on sait jamais. On a Pedro derrière, on a... Ouais, on a pas vraiment grand-chose. On a Depaille, bon, Depaille, c'est 20K quand même, hein, rien que ça. Bon, écoutez, c'est vraiment pas mal, franchement. Je vais tout revendre, je pense qu'on va se faire 100K facile, en sachant que ça m'a coûté, bah, quoi qu'il arrive, je me suis remboursé. Hein. Donc bon, c'est plutôt cool. N'hésitez pas, les gars, à aller check dans la description. Je le dis, je le répète, je vous ai mis toutes les équipes construite directement, comme ça vous pourrez voir le nom des joueurs et ça facilitera la tâche, hein, forcément, parce que je vous ai pas dit les noms dans la vidéo. On se retrouvera tout à l'heure pour une prochaine vidéo, enfin je dis tout à l'heure, ça sera plutôt ce soir en Division Rivals. Je vais commencer en vidéo, j'ai déjà commencé de mon côté, mais bon, je vais vous montrer un petit peu de gameplay dessus. Sur ce, les gars, je vous laisse, je vous souhaite une bonne après-midi et à tout à l'heure. Ciao tout le monde.